parti de Naboule comme Mali Emergence. Mali Emergence est parti, parti courageux. Parti moni à l'élima de Kosovo. Parce que nous avons parti de l'élima de Kosovo. Nous avons parti de l'élima de Kosovo. Nous avons parti de l'élima de la sécurité. Nous avons parti de l'élima de Yanga Soro. Parti mogo bi nyeta muna jamana ga nyeta muna obara o sega sabati chogo ayan sege ga hali jala bo kaye ga fo obara mo flani adese ga kechu shila en tant que ama faranyonga kasi chogo muna ka jama wole jama ga na folo kasi ga parti tonde u yere don parti nyama wa yere don ga don ga fo hakil na jimene bi parti ngolo mi la ni jimene bi parti ngolo o la ni no sega sabati wa o la ni na mi sega mbolo di uma chogo de ga fara u ga chogo di wala sa c'est tout comme la capacité de aller de l'eau c'est dans la nana on est de redoumant c'est d'avoir ni c'est dans la nana t'as gagné c'est dans la nana et électeur m'a qu'on n'a pas beaucoup qu'à la talao nous on veut qu'à la donc il va sur ni population légale ni nombre d'électeurs légales électeur est à fond ma bam pour ma bam donc ni on sera comme une mon déjà il est force dans ce ni de redoumant fond t'as gagné de redoumant électeur est à jour pour mourir par volon blanc. Donc ni agacano imisega, mais amaga statistique gai, kalata temenendega, mais kalata ma donc kalata menale, agacano imise machama mbembi usira kalafili. Donc amse chuo de kapati ni kaliri doya, amse chuo de kansi ndo jamana ganyeta barala, situ malikura mungifo, umalikura nubisega walea chuo di, nubisega sidi singa chuo di, ni andemisanui, amfunangenui. Donc au deadline kama anye wele blabema noka na anga janga anga masala ke kasi ga foke chogo mna ni parti nyemo ko were anga sigi anga kuma anga lege amse ga fere jimen sigi singa amse ga akina jimen sigi singa anga komini ani jamana era e noye mali era e a shinera ama biro sigi folo me ni aka chanla fenin kalini sigi ni bana amina anse ndo rapidement kasi ga jakulo si kasi ga parti e sous section ni section pour valider chogo mna. Ok, donc le but de cette rencontre aujourd'hui, comme ça a été voilà, exposé par les initiateurs, c'est de venir faire une prise de contact avec les nouveaux militants du parti qui ont adhéré le parti ici en commune 4 du district de Bamako. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour les rencontrer pour une prise de contact afin de parler du parti, parce qu'au moment où il y a des nouveaux adhérents qui veulent adhérer au parti, il est d'abord important à ce qu'ils comprennent c'est quoi le parti, c'est quoi nos objectifs et quelle stratégie on est en train d'adopter, et en même temps de les écouter aussi, de s'acquérir des connaissances de la commune, les informations, les réalités, les difficultés et les aspirations des membres de la commune 4. Et voilà, on a vraiment eu à entendre des choses qu'on ne savait pas en réalité sur la commune, et on les a aussi rassurés que le parti Mali Emergence, c'est un parti qui est là, qui travaille dans le franchisme, dans la transparence, mais comme on l'a dit, au moment où c'est un parti politique, notre premier objectif c'est la conquête du pouvoir. Donc c'est pour conquérir le pouvoir, donc c'est aussi l'objectif de cette rencontre, c'est également pour venir les sensibiliser et avoir des jeunes et des femmes qui sont ambitieux, qui sont prêts à aller à la conquête du pouvoir, non seulement pour être des leaders du parti, mais pour être des leaders dans leur communauté, que ce soit à travers les élections municipales, législatives et même jusqu'aux élections présidentielles. Voilà, pas de réserve. Nous, on est dedans, ils sont dedans avec nous. Donc l'objectif, c'est de se donner la main, de travailler ensemble et d'agrandir la famille Mali Emergence à travers nos nouveaux militants de la commune 4. Là, au jour d'aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, le parti existe depuis le 3 juin 2017. Donc on a eu à faire l'élection présidentielle pratiquement à Bamako. Ici, on est dans tous les 6 communes du district de Bamako. Et comme je l'ai dit, moi-même, je suis le président de la section commune 1. Mais en dehors de Bamako, on est à Koulikoro. Et à Koulikoro, on est plus précisément à Banamba, à Djouila, à Koulikoroville. Et à Ségou, pratiquement, on est dans tous les cercles de Ségou. Bon, pour ce qui est de Sigasso et Mopti, on est bien représenté là-bas. Mais pour Kaï, on est pour maintenant, on est à Djema, à Kaïville.
et à Yelimani. Voilà, et pour les régions du nord, c'est à Menaka seulement qu'on a pu s'implanter. Donc on est toujours en phase d'implantation pour voilà, être dans les autres régions du nord. Bon, l'appel que moi j'ai à lancer à l'endroit de la jeunesse, même avant même de les appeler à adhérer à mon parti, c'est que la jeunesse, il est temps que la jeunesse se réveille. Il est temps que la jeunesse se réveille et que la jeunesse soit conscientisée de toutes les réalités qui nous entourent. Le président du parti a eu à le dire dans son discours. Il faut le dire, le pays traverse une période générale, un changement générationnel de 60 à 91. C'était une génération qui était là maintenant. De 91 à maintenant, c'est une nouvelle génération qui est en phase voilà, de prendre les choses à main. Mais ça ne peut pas se réaliser tant que nous, les jeunes d'abord, on n'arrive pas à mettre nos différences de côté et de voir l'intérêt commun qu'on a.